Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog à Amsterdam. Et là du coup je suis dans le quartier de Waterloo Plain. Je vous montre juste là-haut. Voilà, on vient de prendre notre petit déjeuner ici. C'était vraiment délicieux, c'est un joli petit quartier. C'est juste à côté en fait de notre hôtel. Et du coup on s'est levé vers les alentours de 10h. Là on va partir du coup au quartier rouge. On va aller le voir en pleine journée. C'est un petit peu plus calme et ce sera un petit peu plus agréable pour le vlog. Et juste après du coup on ira à la Heineken Experience cet après-midi. Donc à 14h30 on a réservé. Donc la Heineken Experience c'est le musée Heineken. Donc à la base c'était une vraie fabrique qui a été vraiment créée par le néerlandais, donc il avait 22 ans je crois à l'époque, le monsieur Heineken, le vrai, voilà, c'est lui qui a créé cette fabrique là et elle est devenue un musée, du coup on va aller la visiter. Moi personnellement je n'aime pas la bière, bébé non plus, c'est pas trop son truc, mais Heineken c'est quand même une très très grosse marque mondialement, donc on va aller voir ça. Donc c'est à côté du Red Light District. Alors je pourrais pas vous dire le nom exact, mais je vous l'écrirai en bas. Et du coup en fait du phare breton. Du coup on a pris ça, non, du vrai phare breton, regardez. Donc moi j'ai kiffé le phare breton. Du coup j'ai pris un petit latte, une limonade et un croissant. Voilà voilà, on va encore se régaler. On y va en direction du Red Light District. Les amis, on vient de sortir de la petite boulangerie. Voilà, donc on est rentré parce qu'on avait vu marqué Homemade Limonade. Et vous savez que la limonade c'est le truc préféré de bébé. Du coup là elle est juste ici, regardez. Voilà, avec une petite paille et tout, c'est vraiment super joli. Et du coup, il va nous donner son avis en direct. Amazing. Génial. Et du coup, bah, moi, comme je vous ai dit, j'ai pris un croissant et j'ai pris un latte avec du sucre. Et franchement, c'est super bon, super top. Et là, du coup, on s'en va en direction du Red Light District. Il nous reste plus que, allez, on va dire, 50-100 mètres à faire. Et puis, on y est. Bon, voilà. On n'aura pas les lumières rouges. Et, ouais, voilà. On n'aura pas le spectacle des lumières rouges, mais c'est pas très, très grave. C'est mais... Le principal, c'est que je puisse vous montrer au moins le quartier et là où ça se trouve. Dans le quartier rouge, là il y a beaucoup de monde, ça bouge, il fait super beau, on a un soleil de fou, franchement il fait vraiment vraiment super beau, super chaud. Et là du coup en fait le problème c'est que bon, comme les lumières sont pas allumées, bah il y a quelques restaurants d'ouverts, mais c'est pas, voilà, ça nous met pas trop dans l'ambiance du truc. Donc du coup je pense qu'on va y retourner ce soir et je vais essayer de vous filmer ce à quoi ça ressemble, parce que c'est vrai qu'en plein jour c'est très très joli, il y a beaucoup de ponts etc, mais c'est pas, voilà, c'est pas le quartier rouge, donc finalement on va peut-être y aller ce soir. Que j'essaye de vous parler, mais
mais ça ne fonctionne pas parce que dans le quartier rouge, soit il y a des vitrines, soit voilà, soit il y a des objets derrière, enfin bref. Voilà, donc du coup j'ai préféré vous prendre à l'extérieur. Donc là du coup on va remonter vers la Central Station pour prendre la petite navette pour aller en direction du coup du Heineken Experience. Mais sinon le quartier rouge est un très très joli quartier. Pour ceux qui sont en couple, qui n'ont pas trop envie de le vivre avec de la foule, etc., je vous conseille d'y aller la journée, c'est assez joli. En plus les vitrines sont ouvertes, donc vous pourrez vraiment profiter du truc à fond. Vous avez plutôt envie d'y aller quand il y a du monde, je vous conseille d'y aller le soir, vous verrez vraiment le côté très sulfureux de la zone. Les amis, pendant qu'il y en a qui sont à la Run Disney, moi j'ai le marathon de la gare d'Amsterdam. Voilà, il y a un marathon juste derrière moi. Là, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont en train de courir à Disney. Je pense fort à vous, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. C'est la ligne 24 et c'est l'arrêt Marie Heineken plein et vous arriverez directement devant l'Heineken Experience, devant le grand bâtiment, devant l'usine. Donc du coup on a trouvé un petit Mexicain à côté que je viens de vous filmer là juste derrière et du coup moi j'ai pris un burrito, voilà, qui est fait direct, qui est fait maison et c'est vraiment super cool. On les a achetés hier du coup avec l'Overcruise, mais sachez que vous pouvez les acheter sur place si vous voulez. Et du coup bah, on attend pour la séance de 14h30, c'est parti, je vais vous montrer la Heineken Experience. Bon, ça y est les amis, on vient de rentrer et on a eu 6 bracelets Heineken, ils sont trop jolis. Voilà, on a eu ça pour démarrer et là vous avez vu derrière c'est super joli, il y a grave de peinture. Et du coup là on va rentrer, il y a deux files d'attente, on va rentrer à l'intérieur, c'est parti. But before we start, I'm going to where you from? Spain, welcome. Ireland, welcome. France. France. US. England. Any other nationalities? Brazil. Mexico. Italy. We'll be right back.
to the water and then the pure H2O is what we're left with. We need this for our barley, because barley is a cereal and we need the starch that's inside the barley. It actually doesn't want to give it up really easily, so what it does is we put it in, we do a process called malting, which means we soak the barley in water. It starts to sprout then, like every plant does. It sprouts a little bit, so it opens up a little bit, then we roast our... Déjà qui fait des pizzas? Maintenant? J'ai un fond de la pizza. On est en train de préparer notre bière. Faudrait en partir les fûts. Henri! Hey oh Henri! Là c'était pour la livraison. Il faisait partir des fûts avec les chevaux comme ça. Ouais les amis, on est dans la Heineken Experience, c'est vraiment génial, on apprend plein de trucs, c'est super intéressant. Et sachez que vous avez droit à des dégustations avec le bracelet, les deux petits points que j'ai, en fait on a le droit à deux bières, voilà sachez-le, deux bières avec ou sans alcool. Thank you.
juste d'être empaqueté. Dans un pack. Ouais. Et maintenant, on va vivre le transport. Ah ouais, quand même. Comme ça, voilà. C'est très très bon à déguster quand même. Je trouve pas trop la bière, mais c'est quand même super bon. Les amis, ça y est, on vient de terminer la Heineken Experience. C'était vraiment génial. Il y avait carrément presque une attraction à l'intérieur. En fait, vous aviez des écrans et vous étiez plongé au départ dans la cuve de préparation de la bière, puis ensuite dans la bouteille, puis ensuite dans l'empaquetage, et puis ensuite quand vous vous retrouviez sur les tables lorsque les gens font la fête à l'extérieur avec leur Heineken. C'était vraiment très très bien fait, super immersif, très sympa. Et là, du coup, je suis dans une pièce où vous pouvez créer votre propre bouteille Heineken. Donc vous avez des petits écrans, vous mettez un prénom, vous mettez le nombre que vous en voulez, la ville dans laquelle vous êtes, etc. Et ça vous imprime directement là, juste ici, sur la bouteille, ça vous imprime le nom que vous voulez. Et du coup, vous repartez votre petite Heineken personnalisable. Donc c'est vraiment super sympa. Ah, ça commence. Oh, j'ai du mal à pédaler, pas toi, je sais, j'y glisse de ouf. Hey. C'est énorme. Ah, c'est magnifique. Hey, c'est pas romantique. Thank you.
Bon les amis, on vient de sortir de la Heineken Experience. Comme je vous ai dit, c'était vraiment génial, c'était vraiment super immersif, c'était vraiment super cool. Et là du coup, on s'en va au Hard Rock Café qui se trouve aller à 5 à 10 minutes à pied à côté de la Heineken Experience, c'est vraiment à côté. Donc là, bah, il est juste derrière moi, regardez, hop, Hard Rock Café, voilà. Et j'aimerais bien pouvoir m'acheter un pull, vous savez, j'en ai déjà un de Barcelone, du Hard Rock Café de Barcelone, et j'aimerais bien acheter un Amsterdam. Donc je vais aller voir s'ils ont ça pour moi. Dans mon hall Disney Amsterdam. Et du coup là on s'en va prendre le tramway, voilà, pour retourner à la Central Station. Donc on a vu qu'il y avait une ligne qui était juste à côté de la nôtre, la numéro 11, qui vous permet de regagner directement la Central Station. Donc on va aller là-bas et puis ensuite on verra ce qu'on va faire. Donc il y a des pancakes et ça. Et du coup ça doit être fourré à l'intérieur, ça doit être trop bon. On va voir ce qu'on va prendre et puis on vous montre ça de suite.
les amis, je suis en compagnie de quelqu'un de très célèbre. Tada! Ça fait un peu bizarre parce que du coup, je suis assise sur une chaise à côté de lui, je viens de prendre une photo avec lui. Et là, du coup, on va faire le tour des artistes qui ont marqué notre époque. C'est parti! Voilà, quand même, on va lui rendre hommage, hein, c'est elle qui a créé ces super statues. Voilà, Amsterdam. Et du coup, ça y est, notre tour est terminé. Je fais un petit tour de la boutique. On a des posters de toutes les célébrités. Ah, regardez, Mickey Mouse nous suit partout, les amis. Donc voilà, je fais un petit tour de la boutique, il y a tous les trucs sur les célébrités, et puis ensuite, on continue notre petit tour d'Amsterdam. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc là, on va aller peut-être faire un petit tour au Red Light District. Donc si on y va juste après cette séquence, vous aurez peut-être quelques séquences du quartier rouge de nuit. On est allé dans un petit bar à café, voilà. Donc on s'est régalé, on a passé un super moment. Et du coup, bah, là, on s'en va en direction du quartier rouge. Mais on n'est pas sûr, on va aller faire peut-être un petit tour ailleurs, on va voir encore. Donc bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner. Et sur ce, on se dit à bientôt.